Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur comment classer les animaux sans les boîtes. Pour cela, nous allons prendre un exemple avec ces 8 espèces et cette liste de caractères. La première étape va être de les décrire. Pour cela, il va falloir faire un tableau. Pour trouver le nombre de lignes et de colonnes de tableau, il va falloir donc repérer le nombre d'êtres vivants. Donc là, par exemple, nous avons 8 êtres vivants. On va donc faire 8 lignes. Et après, nous allons regarder les caractères listés dans les cases. Et donc là, nous remarquons que nous avons 10 caractères différents, donc ça va faire nos 10 colonnes. Donc là, nous allons pouvoir tracer nos 8 lignes de notre tableau et indiquer donc les êtres vivants, chiens, papillons, araignées, crapauds, sauterelles, lapins, poules et hommes. Puis nous allons tracer nos 10 colonnes qui correspondent à nos 10 caractères. Donc tête, squelette interne, 4 membres, poils et mamelles, squelette externe, 6 pattes, 2 antennes, 8 pattes, peau nue et plumes. Et puis après, il suffit de cocher par être vivant tous les caractères qu'ils ont. Et voici le tableau de caractères des 8 espèces animales que l'on obtient. La deuxième étape va être de classer, c'est-à-dire de passer du tableau au système emboîté. Pour cela, une petite astuce, ça va être d'indiquer pour chaque caractère le nombre de croix qu'il y a. Par exemple, pour tête, nous avons 8 croix. Squelette interne, 5. 4 membres, 5. Poils et mamelles, 3. Squelette externe, 3. 6 pattes, 2. Antenne, 2. 8 pattes, 1. Peau nue, 1. Et plume, 1. On va commencer par la plus grande boîte, donc c'est-à-dire le caractère qui contient le plus de croix. Ici, ça va être la tête, parce que nous avons 8 croix. C'est-à-dire 8 êtres vivants qui ont une tête. Donc, on fait la première boîte, tête, yeux et bouche. Voilà notre première boîte. Pour la deuxième, on remarque qu'il y a le même nombre d'êtres vivants, 5, et on remarque que ce sont exactement les mêmes. Donc, ces deux boîtes sont identiques. On va donc pouvoir les fusionner, c'est-à-dire faire une seule boîte avec ces deux caractères. Donc à l'intérieur de la boîte tête, nous refaisons une boîte squelette interne et 4 membres, parce que tous les animaux qui ont un squelette interne et 4 membres ont également une tête. Ensuite, nous avons deux autres caractères avec 3 croix. Mais là, on remarque qu'elles sont totalement différentes. Elles n'ont pas les mêmes êtres vivants. Donc, nous allons commencer par la première dans le tableau, donc poils et mamelles. Et on remarque que les animaux qui ont des poils et mamelles ont un squelette interne et 4 membres. Donc, on fait la boîte poils et mamelles à l'intérieur. Pour la boîte squelette externe. Donc on voit que ces animaux, ces trois animaux-là, ils ont aussi une tête. Donc ça veut dire que la boîte squelette externe se trouve dans la boîte tête. Et en effet, les animaux ne peuvent pas avoir deux sortes de squelettes, interne et externe. Donc les deux vont se trouver dans la boîte tête. Ensuite, nous avons deux boîtes avec deux êtres vivants. Ces boîtes sont identiques. Et on remarque que c'est les animaux qui ont 6 pattes et 2 antennes ont aussi un squelette externe. Donc on va faire la boîte dans la boîte squelette externe. Et on va l'appeler 6 pattes et 2 antennes. Ensuite, nous avons 3 boîtes avec un seul être vivant à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est 3 boîtes différentes, ce ne sont pas les mêmes êtres vivants. Donc la boîte 8 pattes
eh bien, se trouve dans la boîte squelette externe. Les animaux qui ont 8 pattes ont un squelette externe. Peau nue, on regarde l'animal, il a 4 membres, un squelette interne. Donc on va faire la boîte peau nue dans la boîte squelette interne, 4 membres. Et l'individu qui a des plumes a aussi 4 membres et un squelette interne. Donc on va faire cette boîte dans la boîte squelette interne et 4 membres. Il ne reste plus qu'à indiquer les êtres vivants. Donc là, le chien, il a une tête, squelette interne, 4 membres et poils et mamelles. Donc on va le mettre dans la plus petite boîte, poils et mamelles. Le papillon a un squelette externe, 6 pattes pardon, et 2 antennes. L'araignée, squelette externe, 8 pattes. Le crapaud a une tête, squelette interne, 4 membres et une peau nue. La sauterelle a un squelette externe, 6 pattes et 2 antennes. Le lapin a une tête, squelette interne, 4 membres, poils et mamelles. La poule a une tête, squelette interne, 4 membres et des plumes. Et l'homme a une tête, un squelette interne, 4 membres et poils et mamelles. Voilà le schéma emboîté que l'on obtient avec ces 8 espèces animales. Merci de votre attention et on se retrouve pour un futur exercice en cours.